Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bonjour ou bonsoir. Mbotenabino banso bayimboka. Moyo wenu bonso. Djambre et nous, Mbote Bampanginabeto. Chers compatriotes, malgré la situation de guerre que nous subissons à l'Est, le président de la République est catégorique. C'est de ça que je vais vous parler. C'est ça qui m'a choqué dans l'actualité. C'est bref. Donc, il reste catégorique. Il n'y aura pas de dialogue avec le Rwanda, tant que ce Rwanda de Paul Kagame occupe notre territoire, quelle qu'en soit l'étendue, hein, même si c'est un millimètre carré, le dialogue ne peut pas être possible. Donc, il doit quitter, toutes les troupes doivent sortir de là. Ceux qui sont congolais vont au cantonnement, et les étrangers retournent chez eux, ça, c'est ça qui est connu. Alors, devant les ambassadeurs qui sont venus pour l'échange des vœux, donc vous allez le voir tout à l'heure, donc il a été catégorique, hein. Donc il reste imperturbable dans sa position. Donc, tant qu'ils sont là, tant que nous sommes en guerre, il n'y aura pas de dialogue. Donc voilà, et à part ça, il salue vraiment la réussite de ce qui s'est passé au Tchad sous la médiation de la République démocratique du Congo, mais avec lui en tête, voilà. Et il regrette ce qui se passe au Soudan, il demande aux belligérants de déposer les armes, quoi, pour privilégier la paix. Voilà, chers compatriotes. Et en deuxièmement, je vais vous parler de l'agitateur. L'agitateur dangereux. Le garder, c'est dangereux. L'agitateur Vital Kamerhe. Attention, attention à l'agitateur Vital Kamerhe. L'écarter, c'est également dangereux. Vous savez ce qui s'est passé quand il était en prison? Quand il était en prison, sa population à l'Est manifestait tout le temps, libérer Kamerhe, libérer Kamerhe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je pense qu'il faut le surveiller sérieusement. Il faut le surveiller sérieusement. Bon, j'ai appris qu'il a été invité à l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, pour être entendu. Mais bon, c'est à vérifier ça, je l'ai entendu dans la presse congolaise des youtubeurs, vous savez. Et pas seulement, les réseaux sociaux aussi. Hein. Donc, nous, notre philosophie, c'est de publier aussi et les rumeurs et ce que nous captons sur les réseaux sociaux. Ça, je l'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'il a été
invité à l'ANR pour être entendu, de même que Robert Roy, de retour des États-Unis. Bon, il passerait déjà sa première nuit à l'ANR pour être entendu. Il y a des complots. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, chers compatriotes. Alors, je vous invite à suivre le petit extrait sur la position de notre président de la République. Et je félicite cette position. Dans son pays et avant tout, une tradition qui rappelle les liens de fraternité qui unissent la RDC et les pays amis ou frères. Devant ses diplomates, le président de la République a réitéré la position du gouvernement, mieux de son gouvernement, sur l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Entendez, aucun dialogue ne peut être et ne pourra intervenir avec l'agresseur de la République démocratique du Congo tant qu'il occupera une portion du territoire national, a-t-il déclaré, revivant ces moments avec Patrick Michel Mukoyi. En 5 ans, c'est devenu le rendez-vous souligné en gras sur les calendriers de diplomates. Ce membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo ont en grand nombre répondu ce mardi à l'invitation du président de la République pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Des instants précieux pour ce diplomate qui, par leur doyen et ambassadeur du Cameroun, ont félicité le chef de l'État pour sa brillante réélection et les efforts entrepris dans la diplomatie, étayés par les visites de hautes personnalités et l'organisation des grands événements comme les 9e Jeux de la Francophonie. Dans ce contexte international en pleine mutation, le corps diplomatique souhaite accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en place des institutions. Nous appelons de tous nos voeux l'émergence effective et réussie de la République démocratique du Congo sur votre mandature. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a présenté réciproquement ses voeux à ce diplomate, a également dans son allocution passé en revue les faits majeurs ayant caractérisé la marche de la nation au courant de l'année dernière. Le chef de l'État congolais n'a pas omis de souligner le contexte politique caractérisé sur le continent par la résurgence de changements anticonstitutionnels des gouvernements, le recul des libertés fondamentales ainsi que la fragilité des institutions. Nous notons avec satisfaction les avancées significatives du processus de réconciliation nationale qui prend cours en République du Tchad sous notre facilitation, conformément aux résolutions de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC en sigle. En dépit des progrès remarquables relevés ci-dessus, l'existence de quelques points chauds en Afrique doit nous préoccuper. Je pense particulièrement en ce moment précis à l'enlisement de la situation politique et sécuritaire du Soudan, mettant en péril nos frères et sœurs soudanais ainsi qu'une civilisation millénaire. J'entends ici interpeller la conscience morale des protagonistes et leur demande de déposer les armes afin de donner une chance à la paix. S'agissant de la crise congolaise avec l'occupation d'une partie du Nord Kivu par la coalition RDF-M23, le président Tshisekedi a notamment réitéré au nom de son gouvernement le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, de même que le bien-être de ses populations. Un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Oui, devant les représentants du monde entier, il réitère énergiquement que un dialogue ne serait possible que si le territoire n'est plus occupé. Donc, tant qu'ils sont là et qu'ils occupent notre territoire, quelle qu'en soit la portion. Et j'ajoute, pour exagérer un peu, quelle que soit
la portion occupée, même si c'est un millimètre carré, même si c'est un micromètre carré, il n'y aura pas de dialogue. Alors, c'est sûr et certain que nous allons vers la guerre contre le Rwanda et Jean-Pierre Bemba qui jouerait le rôle de Premier ministre en ce moment. Je pense que il a averti, hein, il a averti le Rwanda et l'Ouganda, parce qu'il connaît très bien l'Ouganda, et dans les réseaux sociaux, nous avons entendu, les Ougandais ont fait traverser 680 militaires pour venir appuyer les M23 RDF, vous voyez. Donc c'est maintenant une coalition, et nous savons qui sont derrière. Ce sont ces nations-là dont les représentants sont là, hein, pour l'échange de vœux. Hein. Ils sont là. Et le président Félix Tshisekedi leur dit, il n'y aura pas de dialogue tant qu'ils occupent notre terre de l'Est. Et quelle que soit la portion, et même s'ils se retirent, en restant même dans un centimètre carré, il n'y aura pas de dialogue. Alors maintenant, je passe à l'agitateur dangereux. Vous savez que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le président de la République devrait tenir compte de ça. Alors qu'une rapporteure, là, est en train de vérifier la présence de nouveaux députés élus, parmi lesquels l'agitateur Vital Kamerhe. La population qui est là derrière au balcon, elle est en train de crier, vous allez entendre. Hein. Dès que Kamerhe lève la main pour signaler sa présence, la population crie, hein. C'est une clameur publique. Hein. Le président de la République devrait en tenir compte. Il crie, Kamerhe, Bima. Écoutez très bien, vous allez entendre là. Bima, ça veut dire sortez de l'hémicycle de la chambre basse du Parlement. Balobinaye Abima. Donc, mon cousin Abisto, il faut tenir compte, il y a Makambwana. Ceux qui peuplent la lobby, bon, ceux qui assalent la Makasinaye, bon, Bakoyinaye. Hein. Et puis, Kamerhe est dangereux. Nous savons tout ce qu'il a fait à la présidence et tout ce qui s'est passé pendant son jugement. Il y a des juges qui sont morts. Et voilà, bon, les preuves directes, il n'y en a pas, mais les déductions sont là, possibles. Il y a des faits qui arrivent, on déduit et... Bon, les déductions, c'est des syllogismes de l'ordre philosophique, mais ça vérifie les faits. Il est là, il y a des morts en série. Il n'est plus là, il n'y a plus de morts. Par exemple, il est en train d'être déjugé, des bandits viennent agresser le juge Yann, il le tue. Voilà, chers compatriotes, suivez comment il est en train d'être hué au Parlement. Voilà. Donnez espérance. Monsieur Kambale Ezekiel Barnabès. Monsieur Kambale Moussavouni Vangoumawa Eli. Monsieur Kambale Tamvulenga Degal. Monsieur Kamerhe Luakaningini Vital. Madame.
Madame. Voilà, voyons qui binomo concert compatriote. Nassima Nango, journaliste, Tounie Mituna, donc, na Kobima. Alobi, bon, yé a crié PCR naé, mais. Koza la première ministre est alliée, koza la présidente du Parlement, yé a zakunate. Donc, a zongissima. Mais a crié qui en goponani. C'est du n'importe quoi. Amoni bino biso ba peuple bololé, hein. Toza ba bololé te, hein. Voilà, chers compatriotes, nous nous arrêtons ici en disant que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.